Un procès qui rassemble plus de 800 salariés. Comme ça, j'imagine que c'est très exceptionnel. Il y a déjà eu des procès géants comme celui-ci. Euh, oui, mais c'est rare. Le plus grand procès à ce jour remontait à 2013. À l'époque, 680 salariés du groupe Continental, des pneus également, contestaient leur licenciement économique. Ils étaient si nombreux que le procès s'est tenu dans cette ancienne patinoire, dans l'Oise. En 2011, ce sont 550 salariés du fabricant de meubles cap de Vielle qui se retrouvaient ensemble au Prud'homme de Mont-de-Marsan. Plus récemment, en avril dernier, 165 salariés de Caterpillar dans l'Oise. Et dans ces différents cas, les salariés ont obtenu gain de cause Oui, alors le licenciement économique a été invalidé. Alors certes, les salariés n'ont pas été réintégrés dans l'entreprise, mais ils ont touché des dommages et intérêts. Alors selon l'ancienneté, un chèque de 30 000 à 90 000 euros chacun pour Continental, 3 000 euros pour Capdeviel et jusqu'à 65 000 euros pour Caterpillar. Un montant qui ne dépend pas de la taille du procès mais de l'appréciation par les juges de la réalité économique du licenciement.